Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion, avec sur ce plateau deux dames. Alors, on va voir en fonction. Alors, Nadia Hakoun, vous êtes formatrice. Vania Lod, vous êtes également formatrice en couture. Alors, vous avez vu le plan large, c'est magnifique. Et vraiment, juste, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire, c'est une façon de dire aux réunionnaises et aux réunionnais qui nous regardent, ou aux réunionnais et aux réunionnaises, que la couture, ça n'a rien de difficile. C'est une histoire, comment dire, d'amour et de passion, la couture. Voilà. Ici, après, on a toutes sortes de coutures. On a la couture pour faire des vêtements, on a la couture pour toutes sortes de choses. Et nous, là, dans ce que ça fait aujourd'hui, c'est plus la couture pour fabriquer des rosaces et des tapis mendiants. Alors, ça, c'est une tradition réunionnaise de tapis mendiant. Bon, comme toute chose, hein, je veux dire, le tapis mendiant, c'est un recyclage au départ. C'est de prendre tous les bouts de tissu venus de, j'allais dire, de toutes les chutes. C'est ça. Pour les remettre ensemble pour faire un tapis. Et la tradition a fait de ce tapis quelque chose de patrimonial pour la Réunion. C'est ça. Mais à la base, c'est par nécessité. Ouais. Comme on n'avait pas beaucoup de tissu, il ne fallait pas gaspiller à l'époque. Et donc, ils utilisaient les morceaux de tissu clavés et ils cousaient ensemble pour faire le tapis mendiant. D'accord. On faisait aussi de la liquette pour les... Ah non. Là. Non, non. Non, non, on ne fait pas non, une liquette. Non, ce n'est pas liquette. C'était quoi? La liquette, c'est une chemise. Ah oui, la liquette, c'est une chemise. Ça c'était quoi? Une piquette? Piquette. Il y a même plus de la dernière fois. Mais il n'y a qu'une lettre qui sépare oui, tous les piquette, deux. Oui, mais... c'est une piquette. Mais n'a même mot dans tous les deux. Ouais. Pourquoi la piquette? Piquette? Parce que la piquette, c'était de faire des rosaces, mais au milieu, il y avait toujours un plastique. Oui. Pour Il y avait un plastique ou un tissu épais qui protégeait s'il pleuvait, faisait pipi. Ouais. C'était là. C'est ce qui servait pour longer l'enfant lorsqu'on avait. Et parfois tenir chaud aussi, parfois. Oui. Hein, tenir chaud, parce qu'il portait le bébé dedans aussi. Tenir chaud, oui. D'accord. Alors, là, c'est ce qu'on montre aux téléspectateurs, c'est quelles sont les étapes pour réaliser un tapis mendiant. Voilà. Alors, on commence ça, par quoi, c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer par faire l'hexagone. L'hexagone. On appelle ça un hexagone. Donc, on prend votre compas. Oui. Et on peut décider de la dimension de l'hexagone. D'accord. Aujourd'hui, nous l'a décidé de faire 3 cm de côté. Donc, m'y prend mon compas, m'y mesure sur ma règle, 3 cm, et ensuite, m'y trace sur mon carton. Voilà, tenir par le haut, il ne faut pas bouger le crayon, sinon on ne sera pas droite. Voilà, une fois que m'a la tracé, m'y reprend mon compas, m'y remet sur n'importe quel endroit du cercle, d'accord, m'y garde le même écartement et m'y trace là et m'y fait ça tout le long, m'y met à l'intersection du trait, d'accord, et comme elle a tracé et du cercle. On est toujours à 3 cm, oui, ah oui, toujours à 3 cm parce que là, on a décidé 3 cm, d'accord, mais on peut faire n'importe quelle taille, ouais. N'importe quelle taille. Est-ce qu'il y a une tradition sur la taille? Les 3 cm, c'est... Non, 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 il n'y a pas de tradition. Si on regarde sur la table, on a des tailles différentes. Non, non, c'est en fonction de ce que l'on a envie de faire, en fait. D'accord. Si on a envie de faire 2, on fait 2. Si on a envie de faire 5, on fait 5. D'accord. C'est en fonction de ce que l'on a envie de faire. Une fois que l'on a fait mes mesures, donc là, il faut m'y trace. Parce que là, il n'est plus question de cercle. Il est bien question d'un hexagone à 6 côtés. Chaque côté mesure 3 cm. Chaque côté mesure 3 cm. Il est important, hein. Ouais, d'accord. Parce que sinon, le tapis mendiant, il sera bancal. Il ne gagnera pas coude les côtés entre autres. Il faut que ça ait exactement la même dimension pour qu'il peut coudre correctement, quoi. Donc là, il coupe. Ouais. Mon hexagone.
Et maintenant, mon gabarit pour... Alors, oh, d'accord, montrer, voilà. Ok, on voit bien. Non, ici, 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 non, ici. ici. À la caméra, ici. Caméra en Voilà. face de toi. Ça, c'est l'hexagone. Voilà. Et toutes les découpes, toutes les rosaces doivent avoir cette forme-là. Voilà. D'accord. Alors. Donc, une fois que ça l'est fait, Oui. pour ce tapis mendiant-là, mais répète, hein, c'est un choix. Si vous D'accord. faites plus grand, faites plus grand. Si vous faites plus petit, faites plus petit. Là, c'est le Oui. choix de faire ça. Donc, ensuite, l'étape suivante, c'est mon tissu. Ici, voilà. Voilà. Mes ronds de tissu qu'on a déjà découpés en fonction de la taille de mon hexagone. Et ensuite, on vient au repassage. Je plie mon tissu sur l'hexagone. Il faut bien plier, il faut bien marquer les côtés et marquer la pointe surtout. Voilà, on a mon hexagone. Et maintenant, il repasse. Ah, d'accord. Comme ça. Chercher à savoir pourquoi, mais non, d'accord. Pourquoi le faire repasser? Ça sera plus facile après pour Voilà. que les côtés restent, se tiennent Voilà. et que ça bouge pas, En effectivement. couture, on dit qu'une pièce repassée est déjà cousue. Ah, J'allais d'accord. dire que le faire repasser est très important pour une couturière, D'accord. quel que soit son domaine de Donc les couture, côtés ont il est été marqués. important. Voilà, D'accord, le côté était ok. marqué. Donc, il peut passer à Vania. Ouais. D'accord. Elle Alors, va arrêter un petit peu on va ici. juste montrer. J'attends. Voilà. Voilà la rosace. Et Vania, on fait quoi avec ça, de ça? Alors moi, il y a ici, comme la rosace, elle est déjà bien montée Ouais. et que les bords couvrent bien et vont jusqu'au centre, je vais faire un petit point de bâti au centre là pour bien tenir Ah, ces d'accord. différents côtés. D'accord. Donc c'est tout simple, hein, en couture, on va prendre un petit peu de fil et on va faire en sorte de ne pas aller devant pour pas que le fil se voie. Et là, je couds tout autour comme ça. D'accord, ok. Et une fois que c'est cousu, c'est maintenu. Là, on peut ranger l'hexagone n'importe où en attendant de pouvoir faire le montage définitif. D'accord, ok. Voilà, ça c'est une étape importante. Après, on n'a pas de fer repassé. On peut faire aussi un hexagone sans fer repassé. C'est-à-dire qu'on va prendre l'hexagone, on va mettre dans l'hexagone dans le tissu. Et on va replier tous les coins en bien marquant tous les bords. Et à ce moment-là, j'utilise une aiguille de fil comme ça directement et je monte tout de suite. Comme ça, je suis sûre que ça ne sort pas D'accord. et ça reste bien intact. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a montré l'hexagone, comment on le fabrique, comment on le monte avec un fer repassé, comment on le consolide avec un fil de bâti. Après, il y a l'autre méthode si tu veux bien montrer comment on monte avec l'hexagone de ce côté ou bien je continue. Je vais faire. Allez, hop. Je finis le Allez, repassage finis le repassage, toi. parce que moi j'ai envie de monter la fleur Alors, je vous montre plus ou moins complète. si vous n'avez pas de compas. Moi, j'ai un Voilà, petit bol ici. comme ça. Et je vais faire un rond. Je vais travailler un rond. Alors j'en ai ici qui sont pas trop la taille que je veux. Donc je prends ce petit bol, je le mets dessus avec un crayon. Là je sais que le rond n'est pas très top, donc je fais un trait de crayon autour. Et mon cercle est fait. D'accord. Le jour où vous n'avez pas de compas avec vous. Mais le compas est bien utile pour faire l'hexagone. D'accord. Donc là, à ce moment-là, je vais découper à la bonne taille. Je prends ensuite le modèle de l'hexagone que je trouve plus. Il est dedans, qui est là. Je le mets à l'intérieur et je vais sur la base qu'il faut faire toujours les côtés. Je vais plier au fur et à mesure. D'accord. Et avec mon fil, je vais tout de suite arrêter D'accord. ce À pli que je côté. viens de faire, le Ouais. côté. Ouais. Je l'arrête avec deux petits points tout simples là. Je continue à faire la seconde trait là.
Et je fais ainsi jusqu'au bout. Et à la fin, je vais enlever le carton qui est à l'intérieur. D'accord. Voilà. Pour plus sécuriser, je peux passer un coup de fer dessus. Mais si on n'a pas de fer, ben on fait comme ça. Oui, si on est dans la nature, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça dans la nature, tranquillement. On peut faire cet hexagone-là n'importe où, dans son salon, oui. dans la nature. L'avantage, c'est qu'on peut être avec des copines qui font la même chose. Ben, on apprend à tous à faire la même chose. Oui. Et on partage le travail qui est fait. D'accord. Alors, Vania, tu continues à monter. Voilà. Voilà, ton. Ça, c'est fait. La dernière étape, c'est ça. Et moi, J'enlève l'hexagone. Le gabarit. Ouais. Et l'hexagone est fait. D'accord. Okay. Donc, on a monté deux méthodes hyper rapides. Voilà. D'accord. Okay. Et on peut utiliser les deux ou mixer les deux. D'accord. Donc, j'ai mes sept rosaces. Ouais. Parce qu'il faut une au milieu et six autour. Donc, je vais les reprendre du coup. Et pour monter une rosace, en fait, il faut mettre. Pour monter une fleur, pardon, il faut mettre la rosace au milieu oui. et les six autour, comme ceci. Il manque la dernière qui est à côté de Vania. Qui est là. Voilà. C'est ça. Une rosace. Et un tapis mendiant est composé de plusieurs rosaces, plusieurs dizaines de rosaces. Maintenant, donc, je vais montrer comment on coud cette rosace. Donc, on prend la pièce centrale, on met dos à dos, endroit contre endroit. D'accord ? Et maintenant, on coud, voilà, par des petits points serrés. On fait un petit point de surjet, ça s'appelle. Voilà, un petit point de surjet. Serré. Et on fait le plus au bord possible du pli du tissu. C'est ça. Alors, je fais la même chose qu'elle de l'autre côté. D'accord. Donc, on a plusieurs façons de faire là aussi. Nadia, elle double toujours son fil. Et moi, je ne double pas. D'accord. Je pense que quand on double, c'est pour que ce soit plus solide. Un peu plus de sécurité, un peu plus de solidité. Ouais. Mais bon, on peut faire... Moi, quand je fais, il y a toujours un travail supplémentaire. J'ai quilté après, donc la rosace sera bien maintenue avec les trois couches de tissu que je vais mettre. Donc, j'ai pas besoin de quelque chose hyper solide pour le faire. Combien L'essentiel étant que ça donne le même résultat à la fin. Chacune a sa méthode. Mmh. Peut-être même d'ailleurs qu'il existe d'autres méthodes, hein, mais l'important, c'est qu'on arrive au même résultat. Là, ce qu'on est en train de faire à la main, on peut aussi le faire à la machine à coudre. Hein. Donc, ah bon ? Oui, bien sûr. C'est un autre rendu. On travaille différemment, mais ça peut se monter aussi à la machine à coudre. Mais nous, cette mienne particulièrement, c'est ce contact avec le tissu. D'accord. C'est vraiment ce travail manuel-là. D'accord. Bon, là... Vania, est-ce que vous l'avez fini deux avec ? On a fini presque. Voilà. Ben voilà, nous deux en même temps. C'est bon, mais le tien est plus petit, moi le plus grand. Oui. Voilà, donc. Donc voilà, fini. On a cousu les deux. Deux ensemble. Voilà, deux ensemble, ils donnent ça. Voilà. Tac. Voilà, ils donnent ça. Ce qu'on va faire, pareil. C'est qu'on va rajouter un troisième. Et pour la fleur, ils continuent de tourner autour et faire la fleur, toujours de la même façon. Et en définitive, la caméra, il voit ça Oui, on le voit. Oui. Donc ça finit par donner. Donnez-moi le. Une fleur, sauf que les. Ah, bah, d'accord. Non, c'est bon. On voit. J'avais. Ouais. Voilà la fleur, pas cousue. Alors, quand on dit de la fleur, c'est donc un rosace, il y en a sept. Voilà. Un au milieu et six autour. Six autour. Voilà. D'accord. Et il faut, comme pour cette rosace. Alors, pour faire un tapis, ben, il faudra coudre plusieurs dizaines de ces rosaces ensemble pour faire un tapis. Oui, voilà. Et là, c'est un exemple de modèle. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Oui. Ça, c'est de façon internationale, on appelle ça le modèle jardin de grand-mère. D'accord. Alors, c'est connu aux États-Unis ou en Europe sous ce nom-là. Ce qu'on peut faire, c'est par des rosaces, on peut jouer sur les couleurs, on peut faire des bordures autour d'une autre couleur. On peut tout réaliser avec ça, la création, elle est illimitée. Voilà, avec un seul petit hexagone,
on fait beaucoup de choses. Et après, il y en a certains, ils montent aussi par ligne. Oui. On peut faire des bandes. Ah oui, oui, oui. C'est des vrai. Bandes de ouais. rosaces, plusieurs bandes, ouais. et après, coudent les bandes ensemble. Ouais. À ce moment-là, on a point de rosaces, ouais. mais on a des bandes. Et ce qui fait surtout, les gens jouent avec, beaucoup avec les couleurs, ah, oui. avec les lignes. Oui. C'est magnifique. Oui, parce ça que, donne. Si on arrive vraiment à mettre des ça couleurs. Ça donne des dessins ouais. assez exceptionnels. C'est, et comme Vania, Edith, là, c'est. Après, c'est la création. Et la création peut permettre à nous de faire ce que nous l'avons envie, en fait. Ouais. Parce que là, on a fait un avec un central d'une couleur et puis un rappel de la couleur sur les cisottes autour. Et là, ce n'est pas du tout ça. C'est complètement mixé. Ça aussi, oui. il est possible. Oui, tout à fait. Tout est possible. Ben, c'est selon, je pense, que le goût de chacun. C'est selon le goût selon de chacun. Alors, c'est selon le goût de chacun, l'inspiration, mais c'est aussi selon le tissu qu'on a. Oui, parce que c'est souvent des chutes qui sont récupérés. Voilà. Et on est, j'allais dire, on est tributaire c'est ça. De ce qu'on a. Alors, dans mes souvenirs, ma maman, quand elle fait tapis mendiant, elle ne cherche pas trop oui. le dessin et tout ça. Mmh. C'était le tissu qu'elle avait à sa disposition. Mmh. Elle t'a fait, quand elle avait possibilité de faire un dessin dans le tapis, elle t'a fait, mais des fois, elle avait plein de possibilités. Donc, mmh. c'était le tapis. Et elle était aussi magnifique, justement. Ah non, mais à la rigueur, c'est ça qui... Le côté aléatoire, là, le, ouais, côté, exactement. Le côté imprévisible, il donne des choses magnifiques. Magnifique, oui. Voilà. Et je veux dire, un tapis mendiant est magnifique, quelle que soit sa façon. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Plus c'est aléatoire, plus il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de couleur, de jeu de couleurs. C'est parfois totalement incroyable de voir qu'on met n'importe quelle couleur avec, il n'y a pas de forme. Et ouais. malgré tout, au début, quand on fait... On ne pense pas à une forme, mais à l'arrivée, quand on fait. À l'arrivée, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque c'est-à-dire chose. C'est-à-dire, les yeux de chacun, ils voient quelque chose à travers. Exactement. Un peu comme quand on regarde là. Les nuages. Ça même. Ouais. Des fois, on voit un mouton, des fois, on voit un cheval. Ouais. Des fois, on voit une pieuvre, des fois, voilà, c'est l'interprétation de chacun. Ouais. Et c'est pour ça que, j'allais dire, il y a une génération qui a décidé de faire revivre cette tradition. Oui. C'est quelque chose de magnifique. Parce que aujourd'hui, on le fait plus par passion. Oui, on fait par passion, par amour de la matière, ouais. par amour des couleurs, par l'amour du travail manuel. Et ouais. Mais au-delà de ça, comme on a participé au Gaillard il y a une dizaine de jours, et on avait un atelier tapis mendiant qu'on a donné aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que les enfants étaient concentrés quand nous leur expliquions comment le faire. Même les enseignants nous ont dit que c'est la première fois qu'ils les voient aussi oui, concentrés. Oui, parce que d'abord, c'est une forme qu'ils ont à l'école, l'hexagone, le carré, oui. le parallélépipède ou l'autre. Là, et puis, ce que vous avez leur apporté, c'est qu'ils faisaient quelque chose et ils voyaient... Le résultat tout de suite. Voilà. Oui. Résultat tout de suite. Vous voyez le résultat tout de suite. Et ensuite, nous, on a eu, Nadia comme moi, eu trois générations à un moment donné à notre table. C'est-à-dire qu'il y avait un papa, une maman, une grand-mère et une petite fille qui étaient en train d'apprendre ou de réapprendre à faire ce geste-là. Et ce que vous avez dû voir dans le regard de la grand-mère. Oui. Complètement. C'est toute l'émotion oui. de revivre ça. Oui, c'est ça. Ah ben oui, les vrais nous l'a fait ça. Ouais. Et la petite fille en question, maman avait une grand-mère, sa petite fille, et la petite fille était vraiment dedans complètement. Oui, tout à fait, oui. Et la grand-mère à côté dit, mais oui, les vrais m'ont fait ça. Elle me dit, ben madame, pas mon toute petite fille. C'est maintenant. Et là, comme si qu'elle prenait conscience que... Qu'elle avait quelque chose. Tu peux transmettre ça à sa petite fille. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on part toujours du principe que ce qu'on a vécu, c'était parfois une charge, parfois quelque chose qu'il fallait porter. Ça n'a pas été fait avec juste du plaisir. Pour eux, c'était de coudre. Et ce n'était pas forcément... Alors, si, sans doute, Nana de ça, mais Nana aussi, la modernité, l'arrivée. Oui. Après, on a des tapis de toutes sortes que l'arrivée. Et il était peut-être... un peu plus facile, entre guillemets, d'aller chercher tout de suite le tapis au magasin pour mettre si son lit. Si on revient aux années 80, pour les familles modestes, avoir un couvre-lit,
Ça coûtait cher. C'était quelque chose de... On faisait voir à tout le monde qu'on avait un couvre-lit, qu'on avait un salon, qu'on avait... À la mode. À la mode. À la mode. Oui, mais le couvre-lit que nos grands-mères ont laissé, ont légué de génération en génération, il est toujours là. Oui. Si on le retrouve. Et les gens sont contents de le montrer. Et ils sont contents parce que c'est quelque chose qui vient d'avant. Oui. Oui. C'est ça qui a cette valeur-là. Après, il y a toute l'énergie que la grand-mère a mis dedans pour faire et tout l'amour qu'elle a donné. Ça n'a pas de prix. Mais nous rendons compte quand même, là, dans le Gaillard à Saint-André, que finalement, tous les gens y passaient, ils connaissaient. Oui. Ils connaissaient. Quasi personne ne dit, tu ne connais pas le tapis mendiant. Tout le monde y connaissait le tapis mendiant. Mais il est là, d'un coin de la mémoire. Quoi. Ouais. Et c'est comme pour le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Ils ont fait un tapis mendiant en fond d'une communication. Le tapis mendiant est là. C'est un lien, c'est un patrimoine de La Réunion. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Alors, ce que vous avez sur la table là aujourd'hui, c'est le tapis mendiant que 9 femmes ont réalisé il y a 3 semaines à peu près, en une journée et demie de travail, pour symboliser notre transmission de savoir, puisque l'Université Zarboutan est là pour transmettre des savoirs, et pour montrer le travail collectif qu'on a pu réaliser ensemble. Si on était toute seule, Nadia ou moi, à faire ça, il nous aurait fallu 9-10 jours pour le faire. Ouais. Et là, en une journée et demie, on a réussi à faire ce panneau qui nous sert en fond dans toutes nos sorties maintenant. D'accord. Il aurait fallu 9-10 jours à faire et peut-être que nous n'aurions pas eu la même joie de faire. Parce que là... Ah oui, vous étiez 9, ouais. 9. Là, les échanges... 9 sur un travail commun, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que quand nous l'a mis, chacune l'a fait une fleur ou une rosace, et donc quand nous l'a tendu le tissu est cru, chaque personne l'a participé, n'a peut-être devant pour accrocher, et puis chacun a donné son avis, ah oui, là non, ah non, plutôt là, non, plutôt là. Et on a aussi le travail de la créativité, en fait, en chaque personne, on a ça. Et on rend compte dans ces moments-là que chaque personne, il peut créer. Ouais. Et il y a quelque chose que je trouve, j'ai toujours aimé chez le Réunionnais, dans ce genre d'événement, c'est solidarité a toujours porté, amène une énergie particulière. Oui. Et ça, c'est vraiment très bien. En tout cas, je vais vous remercier pour ce moment, parce que vraiment, c'est... Enfin, de Madame Kikouza, la télé, elle est plutôt rare. Non, c'est pas ça. C'est d'avoir retrouvé cette ambiance réunionnaise avec les dames qui sont à la couture, et de pouvoir dire, elles font la couture et en même temps, on peut échanger. Et là, on l'a fait sur un plateau télé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a déjà dépassé de 3 minutes le temps qui nous est imparti pour vous dire à quel point c'est plaisant et on est vraiment dedans. Merci à vous deux. Donc, merci à Nadia Hakoun. Merci beaucoup à vous. Merci à Vania Laude pour ce moment-là. Merci à l'Université Zarboutan. Et merci à l'Université Zarboutan. On va revivre d'autres moments comme ça avec vous parce que c'est vraiment plaisant. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.